Yekri! Un nouveau zoom-zoom sur le continent africain. Le Nigeria est le pays africain le plus peuplé, avec 214 millions d'habitants et le 7e du monde par la densité de sa population. Selon la Banque mondiale, c'est le pays le plus riche d'Afrique grâce à sa production pétrolière, mais ça n'a aucune incidence sur la population qui demeure relativement pauvre vu le niveau de corruption. On va parler de Addis Ablel, mieux connue sous son nom de scène Daija. Daija est une chanteuse, artiste visuelle et compositrice nigérienne. Elle est actuellement signée chez Maven Records. Diplômée en biologie et en psychologie, Daija se passionne pour la musique, les arts et la philosophie. Sa rencontre avec Don Jazzy va la propulser dans le top des charts du Nigeria. On va découvrir un clip superbe, Wuta. Burna fils de Dieu, voilà ce que signifie le surnom Yoruba Burna Boy. Dès son plus jeune âge, Burna est baigné dans le monde de la musique. Son père joue en boucle des albums de dancehall et de reggae à la maison, tandis que son grand-père est connu pour avoir été le premier manager du grand Fela Kuti. Ce dernier qui deviendra plus tard l'inspiration numéro 1 de Burna. On va écouter Ye, le méga tube de Burna Boy sorti en août 2018. C'est parti. Biggie man, we know they wear a bad eye. Tell me, my nigga, what's it gonna be? Même si le nom innocent Oudja Idibia ne dit rien à beaucoup d'entre nous, peut-être que Two-Face Idibia est plus familier, car Two-Face est un artiste connu et reconnu non seulement au Nigeria, mais aussi dans l'ensemble du continent africain. C'est l'un des artistes hip-hop les plus décorés et les plus prospères. De plus, il est classé parmi les meilleurs musiciens africains de tous les temps. En 2004, l'album Face to Face l'a littéralement propulsé sur la scène internationale avec son hit African Queen. On écoute. Brighter than the star, I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen. On va maintenant parler de Davido, le faiseur de tubes en puissance. Né le 21 novembre 1992, il a étudié l'administration des affaires à l'université de Oakwood aux USA avant de s'installer au Nigeria. Davido a fait ses débuts dans la musique en tant que membre du groupe KB International. On lui doit des tubes comme Dami, Duro, Gobe, Skelerou, Aye, Fall. C'est d'ailleurs sur ce dernier que je vous invite à vous enjailler. On part en 2017, Fall de Davido. Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tous les artistes que je vous ai présentés sont les héritiers d'un homme, Fela Kuti, ou simplement Fela. Fela est un chanteur, saxophoniste, chef d'orchestre et homme politique nigérien. Il est considéré comme l'inventeur de l'afrobeat, fusion de funk, de jazz, de la musique d'Afrique occidentale, de musique traditionnelle nigériane et des rythmes yoruba. On va regarder un court extrait de Cross Examination, capté lors de live à Berlin en 1978.
make the man answer. My brother, you be accused for this case. Don't be afraid, it's not African court. I know your name, you don't have to tell me. African colonial... Nous sommes arrivés à la fin de notre Zoom Zoom sur le Nigeria. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma page, l'adresse s'affiche ici. Prenez soin de vous et on ne lâche rien. Police force.